Monsieur Djamel Chokfi, bonjour. Bonjour. Alors le logement, beaucoup de réalisations, près de 4 millions d'habitations ont été réalisées par le gouvernement. Est-ce que nous étions dans un contexte où la volonté était de résorber la crise du logement ou réaliser conformément aux règles de l'urbanisme, monsieur Chokfi? C'est vrai qu'on a réalisé beaucoup de logements. On a réalisé un nombre sur les trois plans quinquennaux depuis exactement 2006. Les chiffres jusqu'à maintenant annoncés par les pouvoirs publics, c'est de l'ordre de 4,3 millions d'habitants, là où on se pose la question. Donc, dans les différents segments de logement, commençons par le rural, par le LPL qui est le social, par le LV qui est la location vente, l'ADL, par le LPP, le LPA, le LSP, donc toutes ces formules de logement. Mais je pense que le chiffre annoncé est au-delà de la réalité. Mais comment réaliser aujourd'hui? Comment est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui de rectifier les erreurs qui ont été commises par le passé, puisque certains considèrent qu'on a fait en sorte à résorber la crise du logement sans respect des règles de l'urbanisme? Je mets résorber la crise du logement entre parenthèses, mais réellement sur le plan théorique, on n'a pas de crise de logement, parce que selon le RGPH, on a exactement les environs de 11 millions de logements. Et on est à 44 millions. Donc, quand on divise une opération de mathématiques, on ne trouvera même pas 4 personnes par logement. Donc, théoriquement, on n'a pas cette crise. Mais sur la demande qui, finalement, ne cesse pas d'augmenter, donc au niveau des communes, les 1541 communes, on comprend que le logement, réellement, il n'est pas parti à celui qu'il mérite. Donc, c'est pour cela. Je dis que la construction de ces programmes-là, il faut revoir maintenant la manière comment les commissions de distribution de logements, soit au niveau des wilayas, etc., celle qui fait la contestation des populations au niveau des communes. Alors vous considérez, M. Chokfi, que si la qualité dans la construction fait défaut, c'est bien en raison de l'absence du concepteur de projet de logement. Comment cela ? Tout à fait. Parmi les erreurs en matière de qualité, je peux vous en citer finalement quelques facteurs. Le manque des études, c'est-à-dire le manque des études, on ne donne pas, c'est la marginalisation de l'architecte, du maître de l'œuvre, du bureau d'études, pour faire réellement des études approfondies. On confie aux étrangers des projets, c'est un dispositif dans le code marché public, donc on confie des projets en études et réalisations. Donc c'est l'entreprise, c'est elle qui va choisir par la suite le bureau d'études. Et à partir du moment, parce que finalement on a brisé cette chaîne, cette triptyque, qui est en général le bureau d'études ou le maître de l'œuvre, qui est la locomotive de l'acte de construire, de bâtir, par la suite le maître de l'ouvrage, qui est l'ordonnateur-payeur, et l'entreprise de réalisation. Donc quand on confie, on met le bureau d'études, l'architecte, le concepteur, le créateur, finalement qui travaille sous un segment, un sous-traitant avec l'entreprise, je pense ici qu'on a fait une erreur fatale, que par la suite on voit le résultat sur le terrain. Donc cette mauvaise qualité, cette architecture des conteneurs, cette architecture, donc qu'elle n'a pas de sens, qu'elle n'a pas une lecture. Donc on a bousillé le beau de nos villes donc par ce dispositif. Donc ça c'est la qualité. Entre autres, je peux vous en citer par exemple, la mauvaise qualité c'est à cause aussi de l'absence de contrôle. D'ailleurs, les ex-ministres à chaque fois ne cessent jamais de soulever que le manque de la qualité au niveau de nos chantiers, la qualité d'ailleurs, on voit les vidéos sur les réseaux sociaux, les briques, on peut les enlever un peu à main. Donc ça c'est dû que l'ensemble des chantiers en Algérie, l'Algérie finalement c'était un vaste chantier, donc on n'a pas des bureaux d'études chargés de faire le suivi. Et c'est à cause de ça aussi que revient aussi l'accident de Rahmania qui date pas de longtemps, l'effondrement des dalles qui a fait la perte de 3 vies humaines. Avant l'accident de Rahmania, il y a eu l'accident de Binan aussi, qui a fait aussi la perte d'une consoeur à cause de la chute de quelques briques. Donc il y a une mauvaise organisation, une mauvaise gestion de ce projet de logement en Algérie, soit en amont, soit en aval.
Est-ce qu'il faudrait tout revoir aujourd'hui? Est-ce qu'il faudrait mettre en place des mécanismes de contrôle? Puisque ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'avec toutes les bonnes volontés et toutes les annonces qui ont été faites antérieurement, il n'y a pas encore de façon effective la police de l'urbanisme. Tout à fait. Le maillon faible, toujours mis à part qu'il n'y a pas des études qui sont bien ficelées, des études de maturité. Il n'y a pas aussi le bon suivi, il n'y a pas de contrôle du tout. Malgré ça, c'est même sur le code civil, l'article 554, l'article 555 et l'article 556, que la responsabilité décennale, c'est l'entreprise qui a réalisé le bâtiment. En plus, l'architecte concepteur, quand on ne trouve pas l'architecte, donc on ne peut pas que l'entreprise seule endosse. Ça, c'est un dysfonctionnement. Que même les maîtres d'ouvrage, ils ont essayé d'en passer, de ne pas discuter, malgré ils savent pertinemment, et d'ailleurs on se pose la question, comment les entreprises perçoivent leur argent. Donc normalement, il y a quelqu'un qui est chargé de suivi, de faire le service fait de leur situation, des travaux. Donc s'il n'y a pas, donc c'est l'entreprise qui fait tout, donc elle est jugée partie. Donc c'est pour cela on se pose la question. Donc maintenant, on se pose la question, c'est pas seulement sur la qualité architecturale, mais sur la qualité aussi qui touche à la structure, qui finalement, la stabilité de l'ouvrage en lui-même, qui met en péril la vie des êtres humains à notre jour. Et ça, c'est une question que j'interpelle toujours le ministère de l'Habitat et les maîtres de l'ouvrage, finalement, d'ouvrir le débat et finalement corriger le tir. Comment corriger le tir aujourd'hui? Est-ce qu'il faut associer les experts, les architectes notamment, dans la réalisation et la conception des logements à l'avenir? Tout à fait. À l'avenir, il faut toujours revenir à la règle triptyque. Il faut toujours donner importance à la locomotive, à l'architecte, de faire des études approfondies avant de réaliser. On a beaucoup construit, mais est-ce qu'on a bien construit, monsieur Scholfi? Bien sûr, on a le beau, il y en a pas. Le beau, parce que finalement, c'est le même plan type qu'on le trouve à Tlemcen, à Tebessa, à Tamaras, à Tizi Ouzou. Aucune adaptation aux villes. Tout à fait, c'est un peu au contraire. On a bousillé le cadre bâti, finalement, et le cadre de vie de notre citoyen, de leur offrir, finalement, une architecture sans identité. Alors, pourquoi tous les projets de logement connaissent un retard de réalisation en Algérie, sans exception, que ce soit toutes les formules? Et sûr, nous allons nous intéresser un peu à la formule, aux formules publiques, c'est-à-dire réalisation par l'État, puisque même le dossier ADL en souffrance depuis pratiquement 2001 ne sera clos, selon les déclarations de l'actuel ministre en charge du secteur, qu'à la fin décembre 2019. Moi, je commencerai par toujours l'absence des études approfondies. Numéro 1, il n'y a pas le contrôle. Numéro 2, il y a en général le manque de foncier au niveau des wilayas. Parce que finalement, ça c'est un point aussi qui est très, très important. On lance les projets, mais finalement sans la disponibilité foncière. Ça, c'est un point très important. Et d'ailleurs, c'est le cas d'Alger. Un jour, on a eu la fameuse déclaration de Zour, un jour, au niveau du programme LPA, le logement promotionnel aidé, là où il a dit « je ne peux pas mettre ça sur ma tête ». Donc, quand les journalistes ils l'ont interpellé sur les programmes du LPA, qui n'est jamais lancé jusqu'à ce jour. Aussi, finalement, l'urgence. L'urgence, c'est le mot que je le déteste de plus. Finalement, tous nos programmes, c'est les programmes d'urgence à chaque fois, donc on lance les programmes en urgence. L'urgence, c'est l'erreur, et c'est un peu de ça, et par la suite, on freine. On trouve des contraintes, parfois, au sein des terrains, donc des terrains, parfois, on ne fait pas les levées topographiques, et par la suite, on découvre une nature, par exemple, pathologique du terrain, qui va à l'encontre un petit peu du projet, donc il va y avoir des arrêts de projet. En plus, par la suite, il y a eu la crise financière de 2014, malgré, ils ont essayé de l'adapter, ils ont essayé de la corriger avec une convention qui a été signée entre le secteur de l'habitat à l'époque et le groupement bancaire, la CPA, suite au financement non conventionnel. Mais malgré ça, jusqu'à ce jour, revoir les parts transférables et la laisser les entreprises étrangères tellement un peu se retracter pour ne pas lancer, et il a causé ça un retard énorme à l'échelle nationale, sachant que l'ensemble, presque la totalité des programmes en matière de formule publique, il est confié aux étrangers. Mais est-ce qu'on peut considérer, malgré le fait qu'on ait confié par exemple la réalisation des logements en grande partie, pratiquement l'équivalent de 80% de réalisation aux entreprises étrangères, nous n'avons pas pu réaliser en termes de qualité? Est-ce qu'on a réalisé
avec même les entreprises étrangères, la qualité ou pas du tout. Pour certains programmes notamment, monsieur Chauffy, puisqu'on a même envisagé la conception en hauteur pour régler le problème du foncier. Non, en matière de qualité, il y a en matière de qualité dans le domaine de logement, donc dans le segment de logement, il n'y a aucune qualité enregistrée à l'échelle nationale. Même les qualités, ça reste toujours un cas isolé, donc quelques projets. Mais finalement, parfois, on a trouvé que des projets de meilleure qualité qui ont été réalisés par des entreprises algériennes. Et ici, j'ouvre la parenthèse pour dire pourquoi on favorise dans le système de shortlist les entreprises étrangères par rapport à l'entreprise algérienne. Donc, la qualité, elle est absente totalement. Donc, par la suite, aussi, l'étranger, il a compris la mentalité algérienne, la mentalité des maîtres de l'ouvrage, donc bafouée parce qu'il n'y a pas de contrôle. Mais si aujourd'hui, on a favorisé les étrangers par rapport aux nationaux, est-ce que parce que les étrangers ont plus de capacité de réalisation par rapport aux entreprises algériennes, monsieur Chauffy? Non, parce qu'à l'époque, on a lancé des programmes au-delà de nos capacités de réalisation. Donc, on a fait appel aux étrangers. Finalement, c'était un cas transitoire. Le problème en Algérie, c'est le transitoire qui dure. Donc, et par la suite, c'est que ces étrangers, ils ont pris les arènes. Donc, le devant de toute, finalement, de la scène de la réalisation du BTPH. Et ces étrangers, c'était pas, ils sont venus ici pour faire la cueillette, pour faire récolter les bénéfices. Donc, au détriment d'une qualité. Donc, si on a cité qu'il n'y a pas de, du suivi, il n'y a pas de contrôle. Donc, il faut pas chercher la qualité, parce que la qualité, ça se paye. Un étranger ou une entreprise, quelle que soit étrangère ou nationale, sans le contrôle. Donc, il fallait pas s'attendre finalement qu'on va trouver une qualité en matière de réalisation. Mais si aujourd'hui les étrangers ont réalisé au détriment de la qualité, est-ce que parce qu'ils ont relevé en définitive des insuffisances au niveau de notre législation par rapport à d'éventuelles poursuites qui pouvaient être engagées à l'égard des contrevenants, par exemple les entreprises étrangères? Non, en matière de législation, il y a un manquement total, un manque flagrant. D'ailleurs, l'attribution de logement, ça se fait, ou l'attribution de marché, ça se fait au niveau du Conseil de gouvernement. Même s'il y en a une bonne intention de la part des maîtres de l'ouvrage de résilier les contrats, il faut revenir sur le même chemin, faire demi-tour, donc revenir au Conseil de gouvernement, au Conseil de ministres, finalement, pour résilier les marchés donc, de cette entreprise. Et cette procédure, elle prend énormément de temps. Donc, il va y avoir une perte donc, sans résultat. Nouvelle ville, même principe, même mode d'emploi par rapport aux étrangers, puisque l'étude de réalisation a été confiée à des entreprises étrangères, comme par exemple les entreprises coréennes. Monsieur Jamal Chauffy. Non, les villes nouvelles, finalement pour moi c'est un fiasco. Les villes nouvelles c'est un fiasco dans le sens, d'ailleurs en fin de compte on a réalisé des villes dortoirs. D'ailleurs, donnons l'exemple de Sidi Abdallah, pour ne pas parler de la ville de Ali Menjeli, qui est la catastrophe naturelle. Qui a été reconnue par les responsables algériens, tout à fait. Les responsables algériens, à leur tête à l'époque. Sidi Abdallah, six jours finalement, et je donne finalement, la raison pour laquelle je dis c'est une ville catastrophe. Donc, les 50 000 logements, les 50 000 qui vont habiter, donc logement, avec un taux d'occupation de logement par 5, donc il va y avoir un quart de million d'habitants. Tu sais que, vous savez que, madame se dit là, que le matin à 9h, tout le monde, il sort vers Alger pour aller au travail. Donc à 9h, à 10h, Sidi Abdallah, c'est une ville fantôme. Donc la ville qui ne crée pas son emploi, ses richesses, donc ce n'est pas une ville. Alors, monsieur Jamal Chauffy, moi je voudrais revenir un peu sur l'étude de conception des nouvelles villes. Elles sont 5 en total qui ont été retenues par le gouvernement. Bien sûr, vous avez abordé la question de Sidi Abdallah, on parle également de Bouinel, on parle des autres villes existantes à travers le territoire national, les 5 en tout. Est-ce qu'on peut considérer que ces études ont été malmenées? Entre la conception et l'étude, il y a eu quand même des choses qui n'ont pas été réalisées. D'ailleurs, j'ouvre la parenthèse, je dis toujours, on est le seul pays au monde là où on ramène des gens qui conçoivent notre logement, notre chez-soi. Donc ça, c'est inconcevable. On peut importer une étude, on peut ramener un bureau d'études pour nous faire à hôpital, université, tout ça. Mais finalement, pour faire le logement, donc c'est propre à nous. Donc, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'ancrage identitaire, le logement, il y a aussi l'étude sociologique. Donc qui est très importante, donc il fallait choisir quelqu'un finalement de l'Algérie. Donc en matière des études de ces villes nouvelles qui sont confiées, 4 villes nouvelles sont confiées aux Coréens,
comme par hasard, ils ont adopté des villes. Donc c'était Sidi Abdallah, c'était Bouinen, c'était Bouguzoul et Hassim Saoud. Et la ville de Naama, par la suite, elle a été, c'est pas Naama, la ville de Mia, elle a été confiée aux Français. Et par la suite, elle a été transférée, ils ont transféré ça à un pôle d'excellence, à un pôle urbain. Mais malgré ça, les études, ils n'ont pas connu la maturation, ils n'ont pas arrivé à l'étape de la maturation. Il y a eu un facteur qui a intervenu pour bafouer tout ça, c'est les programmes, c'est qu'on était à la recherche, ou le gouvernement il était à la recherche des assiettes foncières, donc ils ont inondé ces villes, ces projets théoriques, donc par l'implantation de ces projets d'ADL et projets d'LPP. Donc comme la réserve foncière de Sidi Abdallah et Bounen, tout a été consommé par le segment ADL et le segment LPP, c'est pour cela que le résultat est avoué à l'échec, donc à l'avance. Et maintenant si on part visiter Sidi Abdallah, donc réellement c'est une ville comme Tchernobyl, c'est-à-dire c'est des cages, les cages à poules comme je le dis, c'est cette architecture conteneur, donc il n'y a pas une identité architecturale qui peut nous situer dans un pays qui s'appelle l'Algérie. Mais pourtant les études ont coûté très cher à l'Algérie. Énormément. Sidi Abdallah, pour moi, je vais vous raconter l'histoire, parce que Sidi Abdallah, les Coréens, ils nous ont volés. Les Coréens, ils nous ont volés, finalement, parce que le jour où ils ont, en matière de la ville, le marché, il a coûté presque 5,5 milliards de dollars. Donc, ils pour ont les pris... 5 villes, hein? Pour les 4. Oui. Donc, ils ont pris une avance de 3,7 milliards de dollars sans qu'ils fassent, finalement, avancer les travaux de 10%. Pire encore, c'est-à-dire c'est interdit de faire la sous-traitance à 100% parce que finalement c'est pas une entreprise. Donc ils ont sous-traité à 100% par les entreprises algériennes, à leur tête c'était considéré. Et par la suite on revient, c'est-à-dire en faisant le bilan, donc le gouvernement 5 de Selel, il a décidé de résilier avec les Coréens, donc faute de quoi qu'ils n'ont pas satisfait les conditions ou les clauses du marché. Le beau c'est quoi? Ils n'ont pas restitué l'avance. Ils ont fait une résiliation à l'amiable, chose qui est interdite. Et le point d'interrogation, le grand point d'interrogation, là où j'ai intervenu à plusieurs fois, que j'ai dit que réellement, les Coréens nous ont volés. Alors, rectifier maintenant par rapport à ces nouvelles villes, est-ce qu'on peut corriger les erreurs qui ont été commises quand on voit aujourd'hui certaines photos qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, par les médias aussi, électroniques, où on montre des fissures qui sont observées au niveau de la ville de Bouinen? Moi, comment corriger le tir? Corriger le tir, c'est rendre le blason à l'architecte algérien. On a des grands architectes. Pourquoi pas? Il faut les faire associer dans le cadre des concours d'idées, dans des cadres, finalement, de la mise en valeur. Finalement, on va faire la couture urbaine. On va faire un petit peu la correction. Mais finalement, dans un cadre, il faut avoir la bonne intention, la bonne volonté de la part des maîtres de l'ouvrage. Donc, sur ce cas-là, on peut faire du correction, on peut faire apporter un correctif. Mais finalement, mis à part si on reste toujours favoriser l'étranger et on cherche des solutions finalement de la part de ces étrangers, je ne pense pas qu'on va arriver. On a l'expertise algérienne pour pouvoir prendre ça en main aujourd'hui. Il faut faire confiance à nos architectes, nos urbanistes. Oui, tout à fait. J'ai totalement confiance aux architectes algériens, aux urbanistes algériens. On a des grandes pointures, mais finalement, il faut leur donner le temps, l'espace, les moyens pour qu'ils s'expriment dans un cadre réglementaire bien défini. Et finalement, il ne faut pas qu'on tisse des cahiers de charges sur mesure pour les faire un petit peu faire sortir des vertus étrangères et exclure les vertus algériens. Mais par rapport aux différentes formules existantes actuellement, nous en avons quelques-unes à travers le territoire national qui ont été mises en place par les pouvoirs publics. Vous avez la formule, bien sûr, location-vente, qu'on appelle communément ADL. Vous avez aussi la formule LPA, qui était anciennement la formule LSP, qui a permis aussi la réalisation de pas beaucoup de logements. Bien sûr, c'est des logements aidés. Il y a aujourd'hui le promotionnel via, bien sûr, les logements LPP. Est-ce que le LPP, au standard promotion
pratiquement différente des autres répond aux normes du haut standing? Non, il répond pas du tout. D'ailleurs, la promotion, c'était quoi? On se pose la question, c'est quoi? Le LPP, il offre quoi par rapport à la location-vente, par rapport au LPL, qui est le logement social? Donc, si finalement, la définition du promotionnel, c'est avoir quelques mètres de plus, ça, c'est pas du promotionnel. Le promotionnel, c'est avoir une promotion en matière d'architecture. Donc, on peut faire la lecture d'un promotionnel en matière d'architecture extérieure. Donc, si on n'a pas ça, donc, en matière d'aménagement extérieur, donc, tous ces espaces, tous ces éléments, donc, qui nous donnent toujours, finalement, à définir qu'un segment par rapport à un autre. Donc, et ça, malheureusement, on ne le trouve pas dans les segments de logement qui sont un seul type, une seule architecture. Il faut revoir tout ça aujourd'hui. Tout à fait, il faut revoir tout le cahier de charge, il faut revoir la refonte, il faut faire une refonte de texte, il faut redéfinir les missions, soit en maîtrise d'ouvrage, soit en maîtrise d'œuvre, il faut définir les missions, il faut réellement donner importance à la phase la plus importante qui est la phase des études. Alors certains considèrent aujourd'hui, par rapport à une question de l'auditeur qui dit « Aujourd'hui on a réalisé en quantité importante, mais on a réalisé des cités ghetto qui deviendront demain des coupes-gorges. » Quel est votre commentaire justement, votre réponse par rapport à cette question de l'auditeur, M. Jamel Scholl? Je pense que le citoyen, il a complètement raison, et finalement toute l'Algérie, tous les Algériens, ils reconnaissent que ce qu'on a construit, il relève seulement d'une manière finalement de la quantité, loin de toute qualité. Pourquoi le marché algérien demeure un marché spéculatif, hautement spéculatif? Le logement en Algérie coûte plus cher que dans les plus grands pays développés. Non, ici j'ouvre la parenthèse, c'est-à-dire le logement, il est au mètre carré, il est à raison, le logement social. Maintenant, le logement même, la location-vente, elle est située à 400 $ le coût du mètre carré, donc on n'est pas loin, donc on ne se classe même pas. En Afrique, à Tchad, il réalise à 600 $. Donc, le beau, c'est que avec les 400 $, on réalise mal. On ne réalise pas avec cette valeur. Donc, on triche, on vole. Donc, en l'absence de contrôle. Donc, en l'absence des études. En l'absence de la rigueur. Donc, tout ça, en l'absence de texte régissant cette mission de la maîtrise d'ouvrage. Donc, c'est un peu. C'est pour cela on voit mal que. Là où on part, on trouve un peu des catastrophes. Donc il n'y a pas une qualité là où on peut le désirer comme ça, donc à travers le territoire national. C'est toujours la même image de la même cité. Alors, autre question, est-ce que c'est le fait qu'en partie, le logement réalisé en Algérie bénéficie d'équivalent de 70% de la subvention? C'est la raison pour laquelle on le réalise au détriment de la qualité, monsieur Scholfi? Non, la subvention de logement, on offre toujours le terrain gratuit. Donc, je parle toujours pour le secteur public, pour les segments de logement public, quels que soient les segments. Donc, le terrain est toujours à titre gracieux. Les viabilités sont prises en charge, donc les VRD, les voies réseaux divers sont pris en charge toujours par le pouvoir public, donc par le maître d'ouvrage. C'est pour cela, réellement, il y a une spéculation donc, dans tous les lots du corps d'État. Donc, bien sûr, les entreprises, ils cherchent toujours leur gain, ils cherchent le gain de faire le bénéfice, le maximum de bénéfices, citant toujours l'exemple que pas loin de en auditant quelques marchés, donc on a trouvé des défaillances en matière de qualité, en matière de quantité, en matière même de prix unitaire, que prise de courant qui a été facturée 1 million de dinars dans un logement LPP au niveau de l'UMP. Alors certains considèrent aujourd'hui, monsieur Scholfi, que le marché immobilier déstructuré permet de détourner les subventions. L'État finance à prix bas des logements qui alimentent en définitive la spéculation, c'est le cas? La spéculation dans le secteur du bâtiment, il y en a tellement. La spéculation en matière de foncier, et d'ailleurs il y en a beaucoup donc, qui prennent assez de foncier donc, pour un nombre de logements. Par la suite, on fait soit la densification, soit on fait des permis de lotir pour aussi faire vendre un surplus de surface foncière, et surtout que le foncier algérien dans les grandes villes, il a une très grande valeur marchande dans le marché. Alors certains considèrent que le ministère de l'Habitat s'est transformé ces dernières années en ministère de distribution des logements. C'est le cas ou pas le cas, puisqu'on a vu que toutes les opérations de distribution de logements, il y a les ministres qui les chapeautent. Moi je l'appelle toujours ministère de l'ADL, c'est pas ministère de l'Habitat. Elle fait ni l'architecture, elle fait ni l'urbanisme, elle fait ni de la ville, ni quoi que ce soit. C'est le ministre, chaque ministre il vient, s'il est toujours le ministre logement. Donc c'est pour cela,
Moi, j'ai proposé un jour, donc j'ai fait une proposition, une déclaration, là où il faut créer un département, un ministère d'architecture, d'urbanisme et de ville, il faut le séparer sur le ministère de logement. Alors, il y avait une initiative qui avait, émergé il y a quelques années, il y a pratiquement deux ans de cela, on avait parlé un peu de l'émergence du marché locatif, permettre la réalisation des logements qui seront destinés finalement qu'à la location. Ça n'a pas été possible. Alors, cette question de l'auditeur, finalement, la jury voulait rendre l'ensemble de la population prioritaire de son logement et cela n'existe nulle part dans le monde. Très juste, très juste. Finalement, parce que le logement d'ailleurs, le segment de logement normalement a été lancé par l'ex-ministre Temal. Le segment je pense exemple à l'Italie, à la France, à l'Espagne, de faire le logement locatif promotionnel et finalement d'associer dans la formule de PPP, donc la partenaire public-privé avec les promoteurs privés, donc de leur offrir de l'assiette foncière et de réaliser en partenariat une formule de logement qui est destinée seulement pour la location, pour équilibrer finalement le marché de location et réellement réguler le marché de la location que l'État il est complètement absent. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, Monsieur Scholfi, pourquoi les jeunes architectes, le jeune architecte exclu des grands projets, pourquoi les concours d'idées sont quasiment absents, où est l'identité architecturale régionale dans les grands projets, et est-ce vu l'adaptation du projet à l'échelle nationale? C'est-à-dire, on a réalisé en fin de compte des LPP à travers tout le territoire national sans tenir compte de l'identité de chaque wilaya. Tout à fait. Pour répondre à cette question, on introduit même le béton au niveau du sud du pays. Je veux dire que le complexe. Tout à fait. Le complexe du pays algérien, c'est toujours travailler avec les étrangers. Moi, je dirais que en 2014, en matière de services, les transferts de fonds à l'étranger, on a transféré plus de 13 milliards de dollars, plus que le budget de la Tunisie. C'est les études. La part des Algériens, c'était même pas 1%. Et le 1%, c'était les 5 000, les 6 000 architectes et 3 000 ingénieurs. Donc, malheureusement, on ne favorise pas l'Algérien. Donc, on a toujours ce complexe. Tout ce qui vient de l'étranger, on l'accueille à bras ouverts. Tout ce qui est algérien, on le rejette. C'est un jeune architecte, je lui dis, il faut continuer le combat. Il faut combattre, mais finalement, il faut revoir. Et le maître de l'ouvrage et les pouvoirs publics à leur tête, ministère de l'Habitat, il fallait qu'elles revoient les manières, les cahiers de charge pour permettre aux jeunes d'accéder à la commande publique. Mais justement, par rapport à cette question, je rectifie ce que vous avez donné l'équivalent de 13 milliards de dollars pour les services, or que à fin 2018, le chiffre qui a été avancé par le montant qui avait été annoncé par la Banque d'Algérie, c'est l'équivalent de 15 milliards de dollars, donc 2 milliards de plus. Alors, Casbah, le dossier retiré à Jean Nouvel, c'est une bonne chose. À mon sens, il n'a pas été retiré. Donc, vous avez contesté son attribution. Tout à fait. Donc, c'était un choix qui était contesté. Tout à fait. Le choix de contester, finalement, le choix de Jean Nouvel. Jean Nouvel, c'est un architecte contemporain, c'est une grosse pointure. On le reconnaît, c'est une référence mondiale. Il a réalisé partout dans les 5 continents du monde entier. Finalement, en matière de réhabilitation, il n'est pas qualifié. En France, il y en a deux tableaux des architectes. Le tableau des architectes de bâtiments, il y a les tableaux des architectes de monuments. Donc il n'est pas inscrit sur le tableau des architectes des monuments. Donc pour moi, j'ai dit que Jean Nouvel, il n'a jamais réhabilité dans toute sa vie une toilette publique. Donc pour moi, je vois mal pourquoi on lui donne le projet de la Casbah, pire encore, revitaliser l'espace Casbah. Alors, l'État a fait appel aux entreprises turques, ces dernières s'anticipent pour pomper l'argent chez eux, c'est-à-dire transférer l'argent. C'est clé en main. On vient, on réalise, on prend l'argent et on part chez nous. Aucune valeur ajoutée pour l'Algérie, à part la réalisation. Ça c'est le cas pour tout le monde. Moi, toutes les entreprises étrangères, ils sont venus ici pour s'investir. D'ailleurs, ils ont vu que le marché algérien, avec le manque de législation qui recadre ces manières de transfert, le transfert des capitaux, donc c'est une manière là où on peut faire la récolter beaucoup de bénéfices sans être interpellé. Alors, corruption, détournement, tricherie, non-compétence, c'est ce qui a caractérisé le secteur de la construction depuis presque 20 ans. Pas besoin d'experts pour l'expliquer, c'est clair? C'est tout à fait clair, c'est un constat très juste. Je pense qu'il fallait maintenant faire la refonte de
toutes. D'ailleurs, j'ai plaidé pour qu'on prépare les assises de la construction en Algérie, là où on va faire la refonte de tous les textes qui régissent le secteur. Est-ce qu'il va falloir un peu se pencher sur ce secteur particulièrement par rapport au mode d'attribution des marchés? Puisque maintenant, le défi majeur de l'Algérie, en plus bien sûr de régler la crise politique dans laquelle nous sommes actuellement, c'est de lutter fortement contre toute forme de corruption. Tout à fait. Le secteur de l'habitat, vous savez que le secteur de l'équipement en matière d'argent, il a consommé combien? Les 15 dernières années, il a consommé 151 milliards de dollars. Donc c'est un chiffre qui fait peur. Et finalement aussi, c'est un chiffre que les entreprises étrangères, ils ont pris assez. Ils ont transféré assez. Donc, ils ont transféré l'équivalent de combien? Vous avez des indicateurs? Non, c'est des chiffres finalement. D'ailleurs, ça c'est le montant de consommation. Mais finalement, on favorise les étrangers qui sont à 80% qui sont dans son secteur. Donc je vois que ce chiffre est tellement plus important, il est tellement, il fait peur, que je dis toujours que ne pas, parce que le secteur de bâtiment, quand le bâtiment va, tout va, donc qui n'est pas, il y a un manque de texte qui a laissé toujours, finalement, la spéculation, elle s'ouvre et elle prend des dimensions énormes. Alors, quand le bâtiment va, tout va, mais actuellement, il y a un problème depuis le début de ce mouvement politique à travers le territoire national. Ce qui est relevé, c'est par, bien sûr, le syndicat des entrepreneurs nationaux, la GEOA, qui affirme qu'il y a eu pas moins de 1360 entreprises qui ont cessé leurs activités avec une perte d'emploi à fin mars 2019, équivalente à 125 000 emplois parce qu'il n'y a plus de cahier de charge et de plan de commande. Tout est à l'arrêt actuellement. Il faut reprendre impérativement. Il y a des gens qui attendent, hein, c'est leur logement, que ce soit dans le LPP, dans le PS, ça c'est le cas des entrepreneurs, et c'est le cas aussi des maires d'études, c'est le cas des architectes, c'est le cas de tout le monde. Donc on est là, c'est les étrangers qui travaillent, et on bosse les étrangers qui sont sur notre sol. Donc et je vois mal comment ils ont eu, de manière de gré à gré, toute cette commande, tout ce plan de charge, au détriment de ces Algériens qui sont étrangers dans leur pays. Alors, autre question, la dernière. Nous sommes dans un contexte politique un peu compliqué, bien sûr, avec une éventuelle sortie de crise pour permettre à notre pays de trouver ou d'élire son président, le futur président de la République, librement et démocratiquement, avec toute la transparence et le cœur. Il faut absolument trouver une issue à cette crise pour vous aujourd'hui, Monsieur Chauffy. Tout à fait. Et je pense que c'est le rôle maintenant de l'élite algérienne. Tout le monde doit se mobiliser. Tout à fait. Donc, vous, journalistes, nous, architectes, techniciens, avocats, médecins, l'élite, les écrivains, tout ça. Donc, je me pose la question. Toute la société, les étudiants. Toute la société civile, les étudiants. Donc, finalement, pour accompagner ce Hirak, donc cette révolution blanche, donc plus ou moins pour faire aboutir et élire le président le plus tôt possible, parce que finalement je ne pense pas qu'elle est à notre faveur, une période transitoire assez longue qui va nous faire sombrer dans le noir. Une nouvelle République, une nouvelle Algérie, c'est important aujourd'hui. Oui, tout à fait. Corriger tout ce qui a été commis comme erreur par le passé. Je l'espère. Redonner confiance aux Algériens, c'est important. Tout à fait, bien sûr. Il faut donner aussi, finalement, c'est l'occasion, finalement, de vous revoir un peu, que les jeunes, ils commencent maintenant à s'immiscer, les jeunes, ils prennent le flambant un peu dans la décision politique. Et finalement, j'ai vu hier soir, finalement, un paysage qui est tellement lunaire, un paysage là où les étudiants, maintenant, même en matière de culture, finalement, les gens, ils commencent finalement à savoir, à lire l'histoire, à lire comment finalement nos problèmes, ils sont en train de donner des solutions. Et ça, c'est un bon signe, finalement, qui pour moi, qui me laisse toujours optimiste. Pour une nouvelle République démocratique et libre. Nouvelle République algérienne. Monsieur Djamel Chauffy, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci.